on l'attendait, la voici déjà, la nouvelle Opel Astra GTC OPC pour Opel Performance Center vient d'être présentée au salon de Genève. Toujours bien motorisée mais péchant par manque de rigueur comportementale, le passage de la puissance au sol étant toujours aléatoire, généralement les modèles OPC d'Opel divisent. Mais à en croire la marque Oblitz, les choses devraient changer avec cette nouvelle Opel Astra OPC qui restera joliment motorisée, un 2 litres turbo 4 cylindres de 280 chevaux et 400 Nm de couple, mais se dotera cette fois d'un train avant digne de ce nom, grâce à l'apport de pivots découplés, en fait un système proche de celui qui fait merveille sur la Ford Focus RS et ses plus de 300 chevaux. Notons qu'ainsi paré, pour la première fois, une Opel Astra pourra accrocher les 250 km à l'heure en pointe. L'Opel Astra OPC devrait donc être en mesure de venir titiller les meilleurs représentants de la catégorie, car elle a d'autres atouts dans sa manche, comme un châssis adaptatif FlexRide qui permet une modification des lois d'amortissement, un différentiel à glissement limité, ou encore un système de freinage mis au point par Brembo, le spécialiste du genre. Précisons aussi que 10 000 km ont été parcourus dans des conditions extrêmes sur le Nürburgring, un test qui équivaut à environ 180 000 km de conduite sur des routes normales.